quelque chose. Tu sais quoi? C'est Harry Potter. Quand ils sont dans les casiers comme ça, elle vient. Et lui, il dit, non, c'est bon, j'ai déjà. Et Harry Potter, il est là, il est juste là, il est exactement là, à cette place-là. Et il dit, on prend tout. Il sort une liasse de... Une liasse. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau vlog. Ouais, je prends le train aujourd'hui. Non, je déconne. On a accompagné Mathéo au train. Donc, il repart à Toulouse, ouais, pas à Toulouse, à Châteauroux. Ça va nous faire des vacances. Il va pas pouvoir jouer à Pokémon Go. Voilà, oh. Bonjour. Non, c'est bon, je filme moi-même. Bref. 61, je vous laisse, je vous dis plus tard. Sur une aire d'autoroute. Sur une aire d'autoroute. Ça caillotte. Mais bon. Bonsoir, en été. Oh, il manque un peu de chaleur quand même. Hier, on avait 29 degrés en plein soleil. Et là, on a quoi, 11 degrés? Ouais. Et ce matin, on est parti, hein, il faisait... Non, on est parti de la maison, il faisait 2. Il y a un moment sur la route, on a 0. Donc c'était bien, bien gelé. C'est gelé, ouais. Normal pour 26 degrés. J'avoue que t'as... C'est ça. Il y a pire. Ouais, pique-nique de tous les temps. Il y a que ça, ouais. Mm. En même temps, on a bien pique-niqué quai à la neige. Ah, ouais, ça fait juste automnal, quoi. Vas-y. Bon, on est rentré à la maison. Voilà. Non, je parle plus, tu te fous de ma gueule. Je me fous pas de ta gueule. Si, tu te fous de ma gueule. Moi, je me fous de ta gueule. Oui. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, que quand Corinne parle, elle est très robotique? Alors, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle prend, elle fait « Bon, j'ai fait la cuisine, j'ai fait la côté, nanana. » Elle est très... Voilà. Et là, tout à l'heure, je lui ai dit, elle m'a dit voilà, la puissance. Donc il est, je ne sais pas quelle heure, à vrai dire. 15h44. Nous sommes rentrés, Corinne a fait une petite sieste. Moi j'ai joué un petit peu à la console. Ah bah ouais, en même temps, faut bien. Adam il m'a demandé, ouais papa, s'il te plaît, viens jouer avec moi. Non, c'est pas vrai. Surtout que là, il est en train de jouer à Fortnite. Les gars, le gamin, il est en joie. Parce que bah on pouvait pas, Fortnite c'était soit sur PS4 soit sur ou sur PC, mais moi mon PC est pas assez puissant pour jouer à Fortnite, enfin bref. Et donc en gros là, depuis que vu qu'il a eu la Switch, ils ont eu, parce que c'était un cadeau commun pour les deux garçons, la Switch. Moi je vais jouer à avec leur jouet, mais à l'origine c'est pas à moi non plus quoi. Je vais jouer avec leur jouet. Et voilà, enfin bref, et là je suis en train de faire des petites claps. Bah oui, en même temps. C'est logique. Oui, non, oui. C'est, je joue avec leur jouet. C'est leur jeu, c'est leur cadeau, mais je me permets en tant qu'adulte responsable, mature. Mature. C'est ça, toi qui es mature. Ouais. Alors, nous avons commandé notre cadeau de Noël. Voilà. Je sais ce que c'est. C'est quoi? Disney. Tu mens, c'est pas vrai. Non, arrête, après les gens vont dire qu'on est riche, tout ça. Bah, non, on n'est pas riche. Vas-y, mais... c'est quoi le cadeau de Noël alors? Non, mais c'est oui, c'est ça. On va dire merci mon papa, merci ma maman. Voilà. 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 Ah, comment t'as cassé le move là? Bah non, mais bon, voilà. C'est pour ça qu'on peut y aller, sinon on pourrait pas y aller. Oui. C'est quoi, regarde, je vais te laisser avec les abonnés comme ça. Oh, pendant que je fais mes crêpes. T'as cru qu'on a réussi à sortir derrière les fagots une certaine somme pour partir à Disney, voilà. Donc,
grâce à ça, on a pu... Oui, certes, on aurait pu le mettre autre part, oui. Mais... On aurait pu le mettre dans une caution mais... ou dans des frais d'agence. Et ben voilà pourquoi on n'est pas responsable. C'est pas... La dernière fois, là, en fait, c'était pour ça qu'on vous disait est-ce qu'on est responsable ou... Bah... Non, c'est est-ce qu'il fallait être raisonnable. Raisonnable ou pas. Et ben voilà, la raisonnabilité était là-dedans. Sachant que dans un an, on s'est parti d'ici... Oui, non. Moi, j'ai un gros contrat qui arrive à partir de février, un très très gros contrat, donc je me dis que voilà. Et pour un nouveau, une nouvelle, j'ai une boutique. Donc je m'inquiète. En fait, oui, c'est pour ça qu'en fait qu'on a dit oui, on irait quand même parce que là, j'ai vraiment un super contrat qui arrive de ouf. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on se permet de pouvoir, parce qu'en plus ça sera certainement une des dernières fois avant un petit moment, parce que bah ça non, change... oui après nous envie. Oui avec les enfants pour l'instant je pense que ça va être un moment, parce que l'année prochaine Mathéo passe son brevet, l'année d'après Yael passe son brevet, donc déjà pendant 2 ans sur bah, voilà. Les deux grands ils dépassent les deux 12 ans, donc déjà il y a plus de c'est en fait dès l'instant que les enfants ont plus de 12 ans ça coûte une blinde. Déjà que ça coûte une blinde hors enfant de moins de 12 ans, mais alors là, c'est il se touche correctement. Mais bon, là, c'est pour ça. C'est là une des dernières fois avant longtemps avec les enfants. Bon, là, de toute façon, avant... Voilà, ce sera sûrement bah, la dernière. Pas la dernière, mais avant, oui, peut-être un petit moment, parce que... Bah, ça sera sûrement une des dernières fois. Là, j'ai envie de te dire... Bah, après, si on y va, c'est qu'il faut y aller que sur une journée. Mais ça c'est fait pas possible. Bah, ça fait beaucoup de route. Bah, sur une journée, en même temps, déjà, faut... c'est bah, 9 heures si, de route. Si, mettons, on va en vacances dans le coin, par là-bas, bah, peut, ouais. Peut-être que sur une journée. Enfin, tu connais des gens dans le coin là-bas? Je connais que mon frère et ton frère sur Château. Dans le coin de Disney. Qui est pas trop loin de Château. Et genre, on va en vacances vers là-bas. Genre... Donc passe, toi, t'essaies, quelques jours, t'essaies de trouver, mais non, c'est pas possible. Ça sera sûrement la dernière fois qu'on y va. C'est sûrement voilà. Bah tous ensemble, oui, on va dire que là. Et après, faut que les enfants, ils aillent travailler pour pouvoir se financer. Non, après voilà. Puis après, de toute façon, objectif, c'est trouver une maison à partir de mars avril, trouver une maison pour déménager. Grand Mike, il faudrait qu'on soit parti d'ici pour juin, ça serait bien. Grand, ouais, vraiment pour juin et ça serait bien, ouais. Moi, dans l'idéal, ça serait avril. Mais bon, ça va être un peu chaud quand même, je pense, trouver une maison en avril. Bah, on verra. Mais voilà. Donc, objectif 2019, c'est... maison. Je t'aime. Je crois que ça, c'est ma fille, ça. Ah, ça je reçois des SMS avec marqué « je t'aime ». Je te jure, il y a mon cœur, il a fait. Attends. Peur, hein. Bah non, mais c'est que je vois pas qui m'aurait écrit « je t'aime ». Moi aussi, je t'aime, ma fille. Ça, ma maman, ça veut pas. Non, bah c'est normal, t'aimes pas ta mère. Peut-être que c'est par rapport au smiley. Écris juste je t'aime. Ouais, sinon, on part 3 jours à Disney. Oh, ouais. je suis un peu déçu parce qu'il y a notre ami. Moi, en même temps, pendant que tu es en train de parler, elle y est. Hein. Ouais, qui devait venir avec nous, bah, comme l'année dernière, se faire voilà, nos jours ensemble. Et du coup, son patron, il n'a pas voulu donner sa semaine. Donc, je suis un peu déçu. Donc, on se verra pas à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave, on se verra à une autre occasion. C'est pas grave. Donc, voilà. Des blabla. Voilà. Voilà, voilà. Alors, croisez les doigts pour qu'il n'y ait pas de neige. Qui pas de pluie. Ah bah si, de la neige. Ah non, pas de la neige. Non, mais c'est si. Non. On se retrouve pour finir le vlog. Alors oui, ça va être un petit vlog tout ridicule, mais c'est pas grave, au moins vous avez un vlog. On n'a pas fait grand-chose à part ce que vous avez vu. Après, on s'est posé tranquille. Corinne a fait une sieste, si je me rappelle bien. Moi, j'ai joué un peu avec Adam à la console. Voilà, rien d'exceptionnel. Donc, on vous dit à demain. Normalement, ce sera... peut-être un peu plus passionnant que ça. Je vous dis donc à demain si tout va bien. Tchou !